Victor Kilo 5, Papa Alpha Sierra. Hello, Patrick, and thank you for taking my call. You're 59, Patrick. You're 59. You're a beautiful, strong signal here on the short path. You have the name correct. The name is Paul, Papa Alpha Uniform Lima, and I'm located probably about 700 kilometres to the west of the last gentleman that you spoke to, the VK3 station. I'm located over the state... Les radioamateurs de La Réunion utilisent plusieurs types d'ondes pour communiquer entre eux et avec le reste du monde. La HF, haute fréquence, permet d'assurer des liaisons sur des très grandes distances grâce aux rebonds successifs des ondes sur les hautes couches de l'atmosphère et sur la Terre. Des liaisons radioamateurs entre La Réunion et n'importe quel point du globe se réalisent donc selon ce principe de réflexion des ondes. Ils cherchent toujours des participations. Leur Secure MM, c'est un télégramme, je crois, uniquement un télégramme. C'était le week-end du 17 et 18 avril. Voilà, allez, je te passe ça pour les super finales et puis ma voix, encore merci du QSO. Magnifique ce photo. Allez, à très très bientôt, Jean-Mimi. Allez, salut, 73. 5 Mike, Mike, X-ray, Florida Radio 4, Papa Victor, quel plaisir de vous interloguer en cette belle journée. Amitié 73, à très bientôt, Jean-Mimi. À bientôt, James. Merci beaucoup du contact. Et j'étais vraiment très, très, très heureux de t'entendre aujourd'hui. La VHF ou l'UHF, très haute fréquence ou ultra haute fréquence, n'autorise par contre que des liaisons courtes, dites liaisons à vue. Aussi, les radioamateurs de La Réunion ont dû installer sur l'île une vingtaine de relais, appelés répéteurs, pour permettre une couverture radio quasi totale de leur territoire. Actuellement, 5 sous-réseaux VHF-UHF composés de répéteurs sont déployés sur l'île de La Réunion. Ces sous-réseaux radio peuvent s'interconnecter avec d'autres réseaux comme les réseaux de l'île Maurice ou encore les réseaux déployés en France hexagonale, soit près d'une centaine de répéteurs disposés sur le territoire national. J'entends le micro, tu passes très bien, il n'y a pas de souci. FR4PV, FR2VM. FR1VM, FR4PV, de retour. Enfin, les radioamateurs utilisent également des répéteurs installés sur les satellites défilants comme RS-44 ou encore l'ISS. Ces satellites radioamateurs à orbite basse sont visibles dans notre ciel qu'une dizaine de minutes, laps de temps durant lequel la liaison doit s'opérer. Foxtrot Romeo 4 Oscar Oscar 3B8 BAU, ici Foxtrot Romeo 4 Tango Tango. Meilleur 73 les amis, c'est un plaisir de vous entendre dans d'aussi bonnes conditions via l'ISS. Donc je vous réitère mes 73 et je vous dis à très bientôt. Foxtrot Romeo 4 OO 3B8 BAU de Foxtrot Romeo 4 Tango Tango. Salut à tous! Jean-Marc, ici Foxtrot Romeo 4 November Papa, très content de t'avoir en fréquence sur le satellite. Donc les bonnes 73,
Ici Foxtrot Romeo 4 novembre papa qui te repasse le microphone. Très content de t'entendre, Angel Mac, à toi. Roger, Yankee, Sherbrooke en copie. C'est super QRO là. Et tu vois, hein, c'est mieux que les répéteurs, c'est des îles, hein, alors. Les radioamateurs mondiaux ne disposent à ce jour que d'un seul satellite géostationnaire, QO100, qui se déplace à la même vitesse que le globe terrestre, toujours positionné en dessus de l'Afrique. Compte tenu de sa très haute position, il permet une très grande couverture radio. Appel QO100, appel sur les satellites, appel sur QO100. Ici Foxtrot Romeo 4, Oscar Papa, ce signal sur QO100. QO100 permet également la diffusion d'images de télévision de haute définition entre les radioamateurs, la DATV. Certains passionnés, comme Philippe, radioamateur des avirons, utilisent la Lune comme réflecteur des ondes. Bonjour à tous, bienvenue chez FR5DL, Philippe aux avirons, à La Réunion. Donc voilà une des autres facettes des activités radioamateurs, et par exemple d'utiliser la Lune comme un réflecteur passif. Donc tout simplement, nous envoyons des ondes sur la Lune qui sont réfléchies en fait sur la Terre, et ça nous permet d'établir des liaisons entre différents continents, entre différentes stations, uniquement par la réflexion lunaire. Donc voici un exemple, là je suis sur la Lune, sur 1296 mégas, avec une parabole. Et ça, ce sont voilà, des signaux que l'on peut entendre qui sont réfléchis de la Lune. Donc il y a des stations européennes qui sont en train de trafiquer, parce qu'il y a un concours actuellement, c'est le concours du réseau des émetteurs français, et c'est un jour privilégié pour que justement le maximum de liaisons puissent être faites. Voilà, donc une station italienne, Italie 1 novembre, Delta Papa, qui lance un appel général sur la Lune. Et donc en face de ce concours, le trafic se fait exclusivement en morse, comme ici, et en SSB. La SSB nécessite quand même des moyens beaucoup plus importants pour avoir une réception correcte. Mais là, en télégraphie, vous voyez, ça fonctionne très bien. Une très bonne station, Italie 1 novembre, Delta Papa, qui a une parabole de mémoire qui doit faire dans les 7 mètres, 7 à 8 mètres, et qui dégage un très bon signal. Les radioamateurs ont un rôle important à jouer lors des catastrophes naturelles, et en particulier dans nos îles, dans ce contexte prégnant du réchauffement climatique. En effet, alors que Saint-Martin était coupé du reste du monde après le passage du cyclone Irma, ce sont bien des radioamateurs guadeloupéens qui ont assuré les premières liaisons radio officielles entre l'île de Saint-Martin et la Guadeloupe. En cas de défaillance des réseaux de communication officiels, l'ARA est bien entendu disposée à mettre ses équipements à disposition des autorités. Notre association dispose d'une station de réception d'images météo, de récepteurs de balises de positionnement d'avions et de navires. Les données reçues sont également disponibles en cas de nécessité. Mais au fait, comment devient-on radioamateur à La Réunion? Avec les camarades, nous avons suivi la formation dispensée par l'ARA en vue d'obtenir la licence de radioamateur. À raison de 2 heures par semaine, en 4 mois, nous l'avons tous obtenue et nous pouvons maintenant trafiquer en toute liberté. Les élèves de la classe de CM2 de Madame Léandre de l'école de Saint-Leu-Centre vont entrer en contact avec l'astronaute français Thomas Pesquet en direct depuis l'espace. Thomas Pesquet, m'entendez-vous ? Bienvenue sur l'île de La Réunion. C'est à Saint-Leu, plus précisément, que les élèves de la classe de CM2 de Madame Léandre se sont entraînés pendant des jours et des jours afin d'être prêts ce jour fatidique
Donc il sera dans l'ISS à 400 km d'altitude et nous dans la médiathèque de Saint-Leu. Dans quelques minutes, les élèves vont vivre une expérience qu'ils n'oublieront jamais. Mais avant, découvrez avec nous l'histoire de ce projet. À la rentrée au mois d'août, j'ai été contactée par l'association réunionnaise des radioamateurs, l'ARA, qui m'a proposé de mettre en place un projet avec Aris France, qui propose aux scolaires d'entrer en contact avec un astronaute qui se trouve dans l'ISS. C'est en regardant toutes les publications sur le compte Facebook de la mairie de Saint-Leu que le radioamateur a pu voir toutes les activités, toutes les actions que menaient mes élèves dans la classe. Car oui, depuis maintenant 5 ans, Madame Léandre travaille sur un gros projet pédagogique qu'on appelle AME, Air Marine Éducative, où les élèves apprennent à gérer une aire marine portant un message d'éco-développement sous l'angle de la protection de la faune et de la flore aquatique. Nous, l'AME, nous protégeons la planète et notre environnement et on en est fiers. Vive le développement durable ! Thomas Pesquet, fervent défenseur de l'environnement, et c'est vrai que c'est la mission de mes élèves cette année. Nous sommes toujours dans des actions pour protéger le milieu marin. En plus, il s'avère que dans notre projet, les élèves doivent communiquer. Alors nous avons un compte Twitter, nous utilisons les médias, la presse écrite. Là, c'était vraiment pour nous un nouveau moyen de communication, donc communiquer via un radioamateur. Pour nous, c'était totalement inconnu. C'est pour ça que voilà, j'ai dit oui. Lorsque je l'ai appris aux élèves, beaucoup de questions se posaient à nous. Certains ne savaient pas qui était Thomas Pesquet. Ben, dès le début, je savais pas quoi dire. Et quand on m'a appris qui c'était, j'étais un peu joyeux. Au début, c'était difficile vu qu'on n'y connaissait rien du tout. On savait même pas qui c'était Thomas Pesquet. Et petit à petit, on a acquis des connaissances pour connaître Thomas Pesquet. Donc à partir de là, il y a eu des débats lancés en classe, nous sommes mis à discuter et les élèves ont tout de suite compris que ça allait être pour eux une année extraordinaire, exceptionnelle. Au début, moi, je stressais beaucoup. Je me disais dans ma tête que j'avais vraiment beaucoup de chance d'être dans cette classe. Depuis le mois de septembre, mes élèves sont pleinement investis dans ce beau projet, dans l'attente d'entrer en contact avec Thomas Pesquet. Et vous ne croyez pas si bien dire, les élèves ont eu l'occasion d'effectuer toutes sortes d'ateliers, en lien toujours avec Thomas Pesquet. Au départ, concernant ce projet, je me posais plusieurs questions, parce que je ne savais pas si les élèves auraient le niveau nécessaire pour acquérir toutes ces notions. Et il s'avère qu'ils se sont appropriés ce projet. Par exemple, ils ont appris des notions sur le système solaire, sur les planètes. Et ensuite, ils ont organisé une exposition. Ils ont mis en place des jeux, des petits ateliers. On a fait de l'art plastique. On a peint, on a fait des planètes. On a fait des affiches pour transmettre nos connaissances aux élèves de l'école. Et ils ont transmis leurs connaissances aux élèves de CP, de CE1, de CE2, de CM1. Ça, c'est un lapbook. Moi, je l'appelais le lapbook de l'ESPA. J'ai choisi un fond bleu pour représenter le ciel. À l'intérieur, il y a le système solaire, une astuce pour retenir l'ordre des planètes. Alors, c'est quoi la phrase ? Me voici tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Ici, on a les héros de l'espace, donc tous ceux qui ont, on va dire, marqué l'histoire de l'espace. Dont Thomas Pesquet. Dont Thomas Pesquet, oui. Nous travaillons en sciences, en production d'écrits, en histoire. Toute ma progression tourne autour de ce projet. Alors à l'école, nous avons une imprimante 3D. Vu qu'on va communiquer avec Thomas Pesquet, on a eu l'idée de faire des lettrages en 3D, des fusées en 3D, astronautes, des porte-clés, tout ce qui est en rapport avec l'espace. Bah, avec ces ordinateurs, en fait, on fait un peu un schéma, on va dire, un dessin de ce qu'on aimerait faire en représentation 3D. Pour qu'ensuite on passe à la phase suivante, celle de l'impression en 3D.
des logos, des navettes spatiales, le rover Perseverance, Curiosity. Et ils veulent que la salle soit vraiment décorée avec tous les objets qu'ils auront pu confectionner durant cette année scolaire. C'est vous qui l'avez fait ou quoi? C'est moi et mon gars. Et après, il a fini le reste. C'est l'Agence spatiale européenne et Thomas Pesquet travaille avec eux. Pour vivre un peu comme un spationaute, les élèves ont été amenés, dans le cadre du sport, à avoir des activités comme si ils étaient des spationautes. Et donc, du coup, les élèves étaient dans des situations assez particulières où ils devaient faire travailler leurs muscles, et cela aussi parce qu'il y a un projet qui a été lancé par le CNES, ça s'appelle Mission X, et les élèves doivent mettre en place des petites activités, des jeux. Ils remportent pour chaque activité réalisée un total de 5000 points. 5000 points pour 5000 km. La Mission X consiste à faire des missions sur le physique qui sont données par la NASA. Tout simplement parce que les astronautes font aussi des exercices physiques pendant 2 heures. Les astronautes doivent faire au moins 2h30 par jour de sport dans l'espace, car sinon ils perdent leur masse musculaire et leur masse osseuse. Ces missions nous font avancer de 5000 km pour aller à la Lune. Une très très longue distance. Et pour l'instant, on en est très loin. On en est très loin tout simplement parce qu'avec ce projet, nous faisons 10 milliards de choses en classe. L'astronaute doit développer sa force musculaire et sa coordination à gravité réduite. Les astronautes sont incapables de marcher. Ils le font sur Terre. Ils doivent utiliser leurs mains, leurs bras et leurs pieds pour se pousser et se tirer d'un endroit à l'autre. Vous êtes en train de travailler votre force musculaire. Et pour cela, vous prenez la position d'un animal. Donc, Aélia choisit celle-ci, les bras bien droits, la jambe en effet comme ceci. Et on regarde bien droit devant soi pour garder aussi l'équilibre. C'est un travail d'équilibre. On regarde bien droit devant soi. Éviter les obstacles, les dangers et les surfaces irrégulières. Et nous sommes prêts pour le décollage. Et nous sommes là, C'est bien passé. Un prochain rendez-vous aussi, alors pour vous, ça représente beaucoup, quoi. C'est énorme, donc je pense que dans 24 heures à peu près, ils seront à Marie à l'ISS. Et bien évidemment, maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous, puisqu'on va suivre toutes ces missions.
pendant 10 minutes, les élèves pourront poser 20 questions. Bien évidemment, nous avons énormément travaillé sur ces questions durant tout le début de l'année. Pour cela, nous avons vraiment beaucoup travaillé sur la mission de Thomas Pesquet, sur son rôle en tant que scientifique dans l'ISS. Et à partir de là, les élèves se sont penchés sur des questions à lui poser, des questions qui nous permettraient à tous de comprendre quelle est sa mission durant ces 6 mois. Ma question, c'est sur le temps qui passe dans l'ISS. Son rôle au sein de la mission Alpha. Ma question, elle tourne autour du blob. Je vais lui poser une question qui est par rapport à son retour sur Terre. Moi, je vais lui parler du développement des plantes dans l'ISS. Ça tourne autour des objets qu'il a ramenés spécialement pour cette mission. Je vais lui poser une question à propos de leur alimentation dans l'ISS. Je vais lui poser une question sur le casque de réalité virtuelle. Des débris spatiaux et des sentiments. Un peu son parcours pour devenir spationaute. Ben, je vais lui parler des sensations qu'il a ressenties au décollage. Ben, moi-même, je m'en souviens plus pour tout dire. Ah oui, je vais lui poser une question sur l'île de la Réunion. Ce contact devrait durer 10 minutes, mais il peut également ne durer que 4 minutes. Tout va dépendre de l'ouverture optimale de réception du contact lorsque l'ISS sera au-dessus de la Réunion. Alors les entraînements, ils ont commencé très tôt. Tous les vendredis, nous partons à la médiathèque et durant 1h30, les élèves s'entraînent. Donc nous sommes avec le radioamateur Patrick Bénard et puis toute son équipe de radioamateurs locaux. Puis il y a également le service technique de la mairie et de communication de la mairie qui nous accompagne. Et c'est vrai qu'ensemble, nous essayons de tout mettre en œuvre pour que ça se passe au mieux. Séance d'entraînement était très très difficile, laborieuse. Ça ne marchait pas vraiment très très bien. On a commencé par un premier contact avec une école de Trois-Bassins, une école qui a un projet d'air marine éducative, et on a voulu voir comment ça se passait de communiquer via radioamateur. Et c'est vrai qu'on entendait. Enfin bon, c'est très particulier, mais ça a quand même fonctionné au bout d'un moment. On entendait à peine, il a fallu répéter à plusieurs reprises les questions. Au début, c'était un petit peu dur vu qu'on n'avait pas encore eu le temps d'utiliser une radio. Avez-vous déjà communiqué avec les usagers? Si oui, par quel moyen? Eh bien, au début, c'était pas très simple. Il y avait toutes ces fiches là, avec les questions, des fausses, des vraies. À un moment, on savait plus lesquelles emporter. C'était un peu le souk, je vais dire. Mais après, on s'est habitué. C'était devenu un peu plus facile. Même si j'avoue que parfois, ça a été un peu le bordel. Et les séances passant, on voyait bien l'évolution, les élèves étaient plus à l'aise. Thomas Pesquet, nous allons vous le présenter. Thomas Pesquet est un Français. Il est né le 27 février 1978. Thomas Pesquet a été formé pour devenir ingénieur et pilote d'avion. Et maintenant, il est également astronaute.
qu'on se mette en place, Lou va discuter un petit peu avec le faux Thomas Pesquet. Êtes-vous prêt à répondre aux questions des élèves, Thomas? Over. Bonjour, ici Thomas Pesquet à bord de l'ISS. Over. Et Thomas Pesquet, il vise l'excellence. Et c'est aussi une étoile de la constellation 17 objectif du développement durable. 17 choses à... Stressée, intimidée, mais aussi j'étais un peu fatiguée parce que à chaque fois, il y avait des malentendus, il y avait des problèmes de connexion. Une fois, on a eu un problème d'écho, mais on a réussi à le régler. Over. Voilà, je vais passer le micro à votre maîtresse. En tout cas, moi, je voulais vous dire, c'était super. Alors, j'ai une surprise pour vous. On a reçu un courrier. Alice Europe nous a fait don des patchs thermo-autocollants ainsi que de patchs à broder. Ces patchs étant destinés à être apposés sur des vêtements pour le jour du contact. Un grand merci à Alice. J'aimerais entendre vos remerciements. Et maintenant, nous attendons le 28. Alors avec quelques appréhensions, puisque cette fois-ci, on va travailler d'une autre façon. Mais on espère que le contact se passera bien, que nous aurons une fenêtre de 10 minutes, que tout soit aligné, que les étoiles soient alignées, et que ce jour-là, tout puisse se passer comme nous l'espérons. Je ne suis pas comme les autres camarades qui sont pressés, qui sont prêts et tout. Moi, je suis un peu... Je suis pas trop pressée. Je me sens prête, sachant que tous les mercredis, on fait des visios pour s'entraîner avec, pour nos questions. Je sais pas trop, je pense que oui. Un peu stressée, mais bon. Faut juste pas qu'il y ait de problèmes de communication à la médiathèque. Mais il faudra encore qu'on révise un petit peu nos questions. Vu que le jour J, ça sera le vrai Thomas Pesquet. Au cas où je serais stressée, il faudra bien que je mémorise ma question. Moi, quelquefois, quand je parle, j'oublie souvent ce que je veux dire. Et donc, j'ai un petit peu peur que ça m'arrive. Je pense que dans mon parcours d'enseignante, bien évidemment, c'est une expérience que je n'oublierai jamais. Et je pense que mes élèves, eux aussi, n'oublieront pas cette année qui a été pour eux une année très très particulière et très riche à tous les niveaux, en rencontres, en expériences. Et puis, oui, je pense qu'en fin d'année, moi je serai fière de mes élèves parce qu'ils auront fait un parcours extraordinaire. Et puis, ils se préparent pour la sixième, ne l'oublions pas. Donc on continue nos apprentissages, mais tout en menant ce projet avec passion, puisque maintenant, pour plusieurs des élèves, je pense que c'est une passion, et en tout cas, c'est devenu la mienne. Moi, si j'avais quelque chose à rajouter, ça serait des remerciements. Des remerciements pour tous ceux qui nous accompagnent avec ce projet, donc bien évidemment la mairie, puisque sans la médiathèque, sans toute l'équipe de la communication, de service technique, on n'en serait pas là. Bien évidemment les radioamateurs locaux, ARA, et puis ARIS qui nous permet de mener ce projet avec l'ISS, avec Thomas Pesquet, et puis surtout tous les élèves qui sont très très impliqués dans cette mission qui est la leur, parce que eux aussi pour le coup ils ont une mission, une belle mission. Et je trouve que pour l'instant, ils la réalisent avec brio. Donc je ne peux que les féliciter et puis remercier tous ceux qui sont présents. Mon inspecteur, toute l'équipe pédagogique qu'il y a derrière tout ce gros travail. Puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière, beaucoup d'investissement. Et c'est un projet un peu chronophage, mais c'est un très, très beau projet. On va mettre les affiches. Comme décoration pour qu'on se sente vraiment dans le thème de l'espace quand on va communiquer avec Thomas Pesquet. Les élèves seront-ils prêts lorsqu'il faudra discuter avec Thomas Pesquet? Réponse dans quelques minutes. Bon courage les enfants.
Oui, bonjour à tous. Bonjour à tous. Ici Joseph Lemoine, membre de l'organisation ARIS International. Donc nous sommes réunis aujourd'hui pour la liaison radio qui aura lieu dans quelques minutes entre l'école de Saint-Leu, située sur l'île de la Réunion, et Thomas Pesquet, qui se trouve à bord de la Station Spatiale Internationale. La présentation va se faire de temps en temps en anglais, car notre correspondant radio amateur qui va contacter Thomas Pesquet se trouve à Johannesburg, en Afrique du Sud. Alors, nous allons commencer, donc 6 minutes. We will start the official introduction. Hello everyone, this is Joseph Lemoine, Foxtrot 6, India, Charlie Sierra, your ARIS moderator for today. The presentation will be done in French for the French audience. Mesdames, Messieurs, nous nous apprêtons à établir un contact radio avec la Station Spatiale Internationale qui se déplace actuellement à la vitesse de 28 000 km/h à environ 400 km d'altitude au-dessus de l'Atlantique Sud. Ce contact est rendu possible grâce à l'organisation ARIS, amateur radio dans la Station Spatiale Internationale. ARIS est un groupement de bénévoles issus de 9 pays qui ont mis en place et maintiennent un équipement radio amateur à bord de la station spatiale. ARIS est supporté par les associations nationales de radio amateurs et par les agences spatiales comme la NASA, l'ESA, les agences spatiales canadiennes, japonaises et l'agence russe Roscosmos. Il existe une douzaine de stations radio amateurs ARIS réparties à travers le globe qui permettent de mettre en contact les élèves du monde entier avec l'ISS à toute heure de la journée. La station radio amateur qui établira le contact avec l'ISS aujourd'hui est la station ZS6JON, Zulu Sierra 6 Juliette Oscar November, située à Johannesburg, en Afrique du Sud. Elle sera opérée par John Sigo. Now for John, the amateur radio ground station that will establish contact today is Zulu Sierra 6 Juliette Oscar November, located in Johannesburg, South Africa, operated by John Sigo. Il nous reste 5 minutes. We have now 5 minutes until contact time. We will take 2 minutes for a school presentation. The school that will talk with Thomas Pesquet today is École de Saint-Leu, located in the Réunion Island, French department in the ocean, in the Indian Ocean. Now we will ask your teacher, Véronique Léandre, to give a short project presentation in French language. Please, Véronique. Bonjour. Donc, bonjour et bienvenue à tous pour cette journée, pour cet événement si particulier. Alors, c'est vrai qu'on est rassemblés ici pour assister à un moment très spécial, très spatial. Donc, spécial pourquoi ? Parce que à La Réunion, nous allons communiquer avec quelqu'un qui se trouve à 400 km au-dessus de nos têtes. Alors, imaginez,
la Réunion, là, un petit galet dans l'océan Indien, qui va, en l'espace de pendant 10 minutes, communiquer avec Thomas Pesquet et être le centre de toutes les attentions, le centre de l'univers, le centre du monde. Et puis, spatial, pourquoi ? Ben parce que notre interlocuteur, Thomas Pesquet, est un des 10 Français, spationautes français, qui a été dans l'espace. Alors, nous espérons bien sûr que cette expérience suscitera des vocations, des passions chez les uns, chez les autres, chez vous. C'est vrai qu'il y a eu un gros travail de préparation et ce travail vous a permis à vous, élèves de l'école de Saint-Leu, que ce soit ma classe ou même tous les autres élèves de l'école, d'acquérir des connaissances dans différents domaines. Donc, bien évidemment, tout cela n'a pu se faire que grâce à un travail d'équipe. Travail d'équipe avec l'ARA, l'Association réunionnaise des radios amateurs, donc avec Patrick Bénard, et puis toute son équipe. Également avec la mairie de Saint-Leu, donc monsieur le maire, Bruno Domaine, merci beaucoup. Béatrice Leperlier, Gilles Barbitch, qui nous ont vraiment aidés à mettre en place ce projet. Au niveau de l'éducation nationale, bien évidemment, je remercie l'inspecteur de la circonscription de Saint-Leu, monsieur Philippe Mespoulet. Marc Vabois, qui a été très présent pour le côté technique, informatique. Et puis, toutes mes collègues de l'école de Saint-Leu. Je n'oublierai pas, bien sûr, tous les intervenants. Ok, oui, qui ont... minutes, non. on va devoir passer la parole à John. Ok, apporter des connaissances aux élèves. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, je vais laisser la parole à Joseph et à John. Ok, thank you, Véronique. We will now ask John to give us a few words on the contact. Please tell us, John, how you will handle the conversation today. Well, good afternoon, everybody from South Africa. Wonderful to see you all. Amazing technology with Zoom now to see all the kids and all the folks around. But greetings from South Africa. Well, hopefully everything will go well. We're waiting for him to come up. The antennas are all facing in the direction that I expect him to come over the horizon, so we'll be good to go. And myself, I have very fond memories of Reunion. I visited your island a couple of years ago, and we still speak about it today. It's probably one of the most beautiful places we've ever been to, so well done for that. It's really a great place to visit. Okay, Joseph, I'm ready to go. So when you are, I will be handing over, and then we'll start the QSO, hopefully. So good luck, everybody. Okay, thank you. Thank you, John. We have 1 minute now, less than 1 minute, before the space station comes over the horizon of the South Africa. Plus qu'une minute. Donc rappelez-vous que cette liaison radio-amateur est purement expérimentale et que nous ne pouvons en prédire le résultat positif ou négatif qu'à la fin de l'expérience. À tous les élèves, n'oubliez pas de dire over, qui permettra à John de commuter entre émission et réception. In a few seconds, we should be okay for the ISS coming to the South Africa. It's all yours, John, for the contact and good luck. Okay, I'm going to be making a bit of noise. I'll demonstrate it to you now. Let me switch over. Okay, just give me a thumbs up, Joseph. Are you copying me okay? Okay, everybody, right. We'll simulate the contact now. I'll be calling shortly. If you get this noise, don't be worried. We need to open up the receivers to get the maximum signal from Thomas. So here we go. If it goes a little quiet, I am calling him. So please stand by, everybody. NO1SS, NO1SS, Lucy 6, Juliet Oscar November calling you. Sure.
Yeah, John, we cannot hear you, John. Please go ahead with the first question. C'est bon. Vas-y, Alix. Bonjour Thomas, ici Alix. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir spationaute? Over. Bonjour Alix, écoute, moi je voulais voir la Terre d'en haut, je voulais voler et puis je voulais faire un métier utile et c'est pour ça que je suis devenu spationaute. Over. Bonjour Thomas, ici Swan. Lors du décollage du Crew 2 au mois d'avril, qu'avez-vous ressenti? Avez-vous ressenti les mêmes sensations qu'en 2016? Over. Écoute, c'était similaire, mais ça m'a paru plus doux en fait. J'ai l'impression que le Falcon 9, il accélère un peu moins fort, il est un peu moins brutal que le Soyuz. Over. Mais sinon, c'était pareil. Over. Bonjour Thomas, ici Lila. Quelle sensation la plus intense ressentez-vous lors d'une sortie extravéhiculaire? Over. Bonjour Lila, la sensation la plus intense, tu sais, c'est quand on lâche tout, quand on lâche la station, on est juste accroché avec une longe, et là on voit la station s'éloigner, on a l'impression que c'est comme une chute, mais qui est très très lente, et ça fait un peu peur. Over. Bonjour Thomas, ici Joachim. Lors des sorties extravéhiculaires, n'avez-vous pas peur de vous faire toucher par un débris spatial? Over. Bonjour Joachim, écoute, on y pense, mais on n'y pense pas tout le temps, tu sais, on est quand même assez petit, on n'est pas une grosse cible, on va dire, mais c'est un risque qui peut arriver et on s'entraîne, si jamais ça nous arriverait, à rentrer en urgence à l'intérieur du SAT, à repressuriser en urgence. Over. Bonjour Thomas, ici Noéline. À votre avis, combien de temps un homme peut-il rester au maximum dans l'ISS? Over. Bonjour Noéline, à mon avis, tu sais, on pourrait rester très très longtemps, mais je pense que psychologiquement, ça deviendrait difficile. Je pense qu'au-delà d'un an ou d'un an et demi, ça commencerait à être vraiment difficile aussi pour le corps humain, pour la santé. Over. Bonjour, ici Elias. Comment faites-vous pour avoir toujours de l'air respirable dans l'ISS et que faites-vous des gaz que vous expirez? Over. Bonjour Elias, une bonne question. Écoute, on a des réservoirs d'oxygène, c'est aussi bête que ça. Comme des bouteilles de plongée, si tu veux, qu'on enverrait dans l'espace pour repressuriser la station, avoir de l'oxygène. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère l'eau, on fait de l'électrolyse de l'eau, donc on produit de l'hydrogène et de l'oxygène à partir de l'eau, de la transpiration et de l'urine aussi. Et pour ce qui est du CO2, du gaz carbonique qu'on expire, eh ben on le piège avec, on le traite, on le capture, on l'attrape avec des systèmes qui sont faits pour ça, on l'enlève de l'atmosphère pour pouvoir continuer à respirer. Over. Bonjour, ici Maë. Comme nous, élèves, avez-vous un emploi du temps bien précis chaque jour? Over. Bon, Maë, oui, c'est exactement la même chose. Tu sais, on a même 2h30 de sport, mais nous, c'est tous les jours. Mais tous les jours, le centre de contrôle nous donne notre emploi du temps. Alors, c'est très différent. On va faire des expériences scientifiques un jour, une prise de sang. On va faire des réparations. Aujourd'hui, on installe des nouvelles toilettes, tu vois, à bord de l'ISS. Donc, on est plombier. Mais on a notre emploi du temps, oui, qui est précis à 5 minutes près tous les jours. Bonjour Thomas, ici Liam. Est-ce que l'utilisation du casque de réalité virtuelle vous apporte un bien-être psychologique lorsque vous faites du sport? Over. Bonjour Liam, oui, écoute, c'est l'ISS, tu sais, c'est un peu monotone, c'est vraiment les mêmes paysages, c'est le même environnement tous les jours. Quand on fait du sport sur un tapis roulant pendant 200 jours de suite, tu sais, c'est pas très marrant. Donc, de pouvoir se changer un peu les idées, de pouvoir se balader, de pouvoir voir un peu la nature, en fait, ça fait une grosse différence. Over. Bonjour Thomas, ici Kéliana. En plus du sport quotidien, les astronautes doivent-ils suivre un régime alimentaire spécial durant leur mission? Over. Bonjour Kéliana, écoute, non, pas spécial, mais par contre, on est quand même suivi tout ce qu'on mange, on le scanne et il y a des gens au sol qui nous disent, il faudrait manger un peu plus de calories parce que sinon vous allez perdre du poids, ou alors attention, manger un peu trop de sel et des choses comme ça. On n'a pas un régime spécial, mais on va dire on a des conseils pour rester en bonne santé. Over. Bonjour Thomas, ici Damien. Est-ce que être commandant de bord de l'ISS vous apporte des responsabilités supplémentaires? Over. Bonjour
Bonjour Damien, oui, c'est sûr, c'est des responsabilités supplémentaires. En fait, ça veut dire qu'il ne faut pas juste se soucier de son emploi du temps et de ses tâches à soi et de ses expériences à soi. Il faut regarder que ça se passe bien pour tout le monde. Il faut essayer de mettre vraiment de l'huile dans les rouages. Il faut donner parfois un peu le tempo et le ton de la manière dont on travaille. Et puis surtout, en cas de problème, si on en avait un, ce serait au commandant de bord de prendre les décisions qui s'imposent. Over. Bonjour Thomas, ici Aliana. Où en êtes-vous avec votre expérience sur le blob? Over. Bonjour Aliana, écoute, on n'a pas commencé, tu sais, cette expérience, elle arrive avec le SpaceX 22, qui est un cargo de ravitaillement automatique, donc pas habité, qui arrivera le 5 juin ou le 6 juin. Donc cette expérience, on va la commencer le 5 juin ou 6 juin, on a hâte parce que le blob, c'est fascinant et moi ça m'intéresse beaucoup aussi. Over. Bonjour Thomas, ici Jules. Lors de la mission Proxima, vous aviez fait des cultures de plantes en micro-pesanteur. Les plantes développent-elles plus vite ou moins vite dans l'espace? Over. Bonjour Jules, oui, les plantes se développent, écoute, j'ai envie de dire peut-être un petit peu moins vite, mais parce que elles ont peut-être pas exactement tout ce qu'il leur faut. Tu sais, il leur faut de l'eau, du soleil et de la terre, en fait. Nous, on n'a pas tout ça, donc on les arrose, on essaie de les éclairer artificiellement, comme dans une serre, et on leur met de la terre ou un substrat. Mais j'ai envie de dire, les conditions sont quand même un peu moins idéales que sur la terre, donc on va dire un petit peu moins vite. Over. Bonjour Thomas, ici Maïli. En 2016, vous avez emmené avec vous votre saxophone, un volant de badminton, etc. Qu'avez-vous emmené de spécial cette fois-ci? Over. Bonjour Président, Maïli, en 2016, oui, cette fois-ci, mon saxophone, tu sais, il est toujours là, donc j'ai pas eu besoin de le ramener parce qu'il m'attendait ici. J'ai emmené avec moi pas mal de choses, j'ai emmené mon maillot de rugby, tu sais, je suis fan de rugby, j'ai mon ballon de basket, j'ai des livres, et j'ai plein de petites choses comme ça, et aussi des cadeaux, enfin des souvenirs pour mes proches et mes amis. Over. Bonjour Thomas, ici Léo. Pouvez-vous voir une île aussi petite que la Réunion à l'ONU depuis ISS? Over. Léo, oui, on la voit même très bien, tu sais, je suis passé au-dessus de chez vous il n'y a pas très longtemps, j'ai même pris une photo, mais malheureusement elle n'est pas très réussie, mais on peut la voir à l'œil nu et on peut la prendre en photo et c'est très joli, mais il y a souvent des nuages sur les cimes, sur les sommets malheureusement. Bonjour Thomas, ici Clara. Même si vous savez que vous êtes relié par un câble à l'ISS, lors des sorties extravéhiculaires, n'avez-vous pas peur de lâcher l'ISS pour effectuer les réparations? Over. Clara, oui, tu sais, ça fait un petit peu peur parce que ton cerveau, en fait, il faut lui apprendre que tu vas pas tomber. Quand tu es sur la Terre et que tu es accroché en escalade et que tu lâches tout, et bien évidemment, tu tombes de la paroi. Donc, ton cerveau, il est habitué à ça. Donc, il te donne des messages d'alerte, on va dire. Il te dit attention, il faut pas lâcher. Et toi, il faut que tu apprennes que lâcher, ça se passe bien quand même. Mais les premières fois que tu le fais, ça fait très peur. Over. Bonjour Thomas, ici Manoa. Avez-vous quelqu'un qui vous inspire dans la vie? Over. Bonjour Manoa, tu sais, moi j'ai grandi dans un tout petit village et pour moi l'espace ou même l'aéronautique c'était très loin, donc ça me parlait pas, j'arrivais pas à m'identifier aux gens qui faisaient ça. Donc moi, tu sais, mes modèles c'était plutôt les gens qui étaient proches de moi, c'était mes parents, mon père, les gens qui prenaient qui essayaient de faire des choses à leur niveau dans leur vie de tous les jours. Donc je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais moi j'ai grandi comme ça. Over. Bonjour Thomas. Passer dans l'ISS, combien de temps dure l'adaptation pour revenir à une vie normale? Over. Bonjour Charlotte, tu sais, au début, ça va très vite. Les trois premières semaines, on revient quasiment à 95% de tes muscles, de tes os, de son système d'équilibre, etc., etc. Par contre, pour revenir vraiment à 100%, après, ça prend plus longtemps et je pense qu'on va dire 6 mois passés dans l'ISS, il faut 6 mois sur Terre pour revenir exactement au même niveau. Over. Bonjour Thomas, ici Kitian. Mis à part votre expérience sur les cellules du cerveau, quelle expérience aimez-vous travailler? Over. I'm afraid he's over the horizon, ladies and gentlemen. He's gone for my view, so I'm sorry we couldn't get that last one in, but okay. Yeah, that's him gone. Thank you. Thank you very much. Bravo à tous. Bravo à tous. Effectivement, on a perdu Thomas, mais ça a permis aux élèves de poser au moins une 15-16 questions. Donc, bravo à tous, mesdames et messieurs, à tous les élèves. Nous venons de partager un moment historique. Ladies and gentlemen, we have just shared a moment of history. Amateur radio station Zulu Sierra 6 Juliet Oscar November in Johannesburg, operated by John Sigo, contacted the French astronaut Thomas Pesquet aboard the International Space Station.
who spoke to students at the École de Saint-Leu Réunion Island. Congratulations to all the students. Félicitations à tous. Et de la part de l'organisation ARIS International, des bénévoles ARIS en France, des associations de radioamateurs par satellite, des agences spatiales dont l'ESA, ici Joseph Lemoine qui vous dit 73 en termes radioamateurs, ce qui veut dire meilleure salutation. Au revoir et à bientôt pour d'autres contacts ARIS avec Thomas Pesquet. Thank you John for this successful contact and see you soon. Absolutely. Joseph. Yes. Petite requête, je souhaiterais que les deux élèves posent quand même leurs questions et comme ça, peut-être que Thomas Pesquet répondra un jour. Voilà. Alors, ok, John, there will be a request from Patrick. We know that Thomas is already the other side of the horizon, but they want to have two students to ask the question, and we just let them ask the question, and of course there will be no reply. One by one. Okay, first student, vas-y. Bonjour, ici Léa. Est-ce que vivre 16 couchers et lever du soleil par jour n'est pas perturbant pour le sommeil? Over. Voilà, il n'y aura pas la réponse aujourd'hui, mais on l'aura peut-être plus tard. Et enfin... Bonjour, êtes-vous partant pour une troisième... Bonjour, ici Lou. Êtes-vous partant pour une troisième mission dans l'ISS ou ailleurs? Over. Bravo Lou. Bravo à tous. Voilà. Thank you very much. Congratulations. Thank you, Thomas Pesquet, on t'invitera. Ça marche? Voilà, merci à tous et pour d'avoir été avec nous sur ce moment exceptionnel. Merci à tous. Bye bye.